Bonjour et bienvenue sur One Up To Play. Aujourd'hui, on vous parle de Yo-Kai Watch. Donc, Yo-Kai Watch est une série de jeux vidéo japonaise créée par Level 5. C'est une série très populaire qu'on peut jouer sur Nintendo 3DS et 2DS. Et ici, nous avons des figurines. Des figurines faites par Spin Master. Spin Master, qui a plusieurs années, nous ont fait la série très populaire des Bakugan, qui a été très, très, très populaire ici à la maison. Spin Master qui nous ont fait des super belles figurines ici en vinyle de deux personnages, Yo-Kai Watch, que Isaac va nous présenter. Moi, le personnage que j'ai dans les mains est Jibanyan. Et ici, nous avons Komasan. Donc, c'est quoi au juste un Yo-Kai? Un Yo-Kai, c'est un esprit japonais qu'on ne voit pas, mais qui vit autour de nous. C'est ça. Donc, dans la série, série animée et série de jeux vidéo, on suit l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Nathan, et lui, il a une montre Yo-Kai Watch. Et avec la montre, ça lui permet de voir les yokai qui sont autour de lui. Il les utilise pour faire des combats contre d'autres personnages, des méchants personnages à travers l'histoire. Mais également, c'est des amis à lui qui, ensemble, vivent plein d'aventures rocambolesques. Yo-Kai est une série quand même très très populaire au Japon lorsqu'il y a eu la sortie du plus récent film qui est sorti en même temps que de Star Wars The Force Awakens. Ça a été Yo-Kai qui a été le film Yo-Kai qui a été numéro 1 au box-office. Ça a battu Star Wars, donc c'est très 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 populaire. Souvent Yo-Kai est comparé à Pokémon. Il y a certains éléments du jeu dont collectionner des personnages, des items qui se ressemblent. Mais lorsqu'on joue au jeu, on peut s'apercevoir que c'est pas tout à fait la même chose. Isaac a joué au jeu le premier et le deuxième sur 3DS. Beaucoup aimé. Fini le premier et presque fini le deuxième. Il y a deux versions du deuxième. On vous fera sûrement des critiques bientôt des jeux vidéo. Et si vous avez Netflix, vous pourrez regarder le film Yo-Kai Watch The Movie qui est disponible, qui suit l'histoire du deuxième jeu. Sinon, pour revenir aux figurines, c'est des très belles figurines faites en vinyle. Au Canada, on a eu ces deux personnages ici. Je sais qu'aux États-Unis, on a vu, il y avait un Robonian, qui est disponible là-bas dans la même série. Espérons qu'il va sortir ici. Espérons qu'ils vont en sortir encore plein d'autres. Isaac, ça ne lui dérangerait pas d'en avoir partout dans sa chambre, des Yo-Kai Watch. Et c'est tout pour l'instant. On se reparle à bientôt.